que nous annonçons les investissements routiers de 2017 à 2019, donc c'est sur 2 ans. Et ce qu'on prévoit investir en Montérégie, donc, c'est tout près de 544 millions de dollars dans le réseau routier. Il y a plusieurs axes d'intervention qui sont établis par le ministère pour les 2 prochaines années, soit 208,2 millions de dollars qui vont être destinés aux chaussées, 230,4 millions de dollars qui vont être consacrés aux structures, dont 40, tout près de 47 millions de dollars aux structures du réseau municipal. Il y a 43,5 millions de dollars qui vont aller à l'amélioration du réseau routier et 61,8 millions de dollars qui vont servir au développement du réseau. Vous comprenez que les enveloppes sont dédiées par le gouvernement du Québec à dire que voilà, le portrait des infrastructures dans l'ensemble du Québec, ça donne ça. Alors cette année, on investit plus dans les infrastructures, que ce soit les ponts, ces choses-là. Il y a d'autres années, c'est sur les routes, proprement dites. Mais c'est toujours en fonction du portrait global qui est mis sur la table au niveau provincial que sont déclinées ensuite les enveloppes. Les sommes dont je viens de vous parler vont permettre de mener à terme des travaux de réfection comme la reconstruction de ponts sur 136 structures dans Montérégie et 51 qui font partie du réseau municipal. Il y a un total de 459 km de route qui va faire d'ailleurs l'objet de travaux parmi lesquels l'asphaltage et la réfection des chaussées sont visés. En Montérégie, donc, il y aura 324 chantiers. C'est beaucoup de monde au travail. Ces investissements-là vont permettre de créer ou de maintenir 3 550 emplois directs et indirects dans notre région de la Montérégie. Parmi les principaux projets prévus à la programmation des travaux routiers 2017-2019 pour la région de la Montérégie, il y a la réfection du pont d'étagement au-dessus de l'autoroute 20 à la hauteur de la sortie 14 à côté du lac. Bref, c'est le pont qui nous mène vers Salaberry d'Alphie, pour ceux qui s'interrogent. La reconstruction du pont de l'île Charon, de la rue de l'île Charon, au-dessus de l'autoroute 25 à Longueuil. Le réaménagement de l'intersection des routes 202 et 235 à Bedford.